Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mes cadeaux de Noël. Donc déjà tout premièrement, bonne année à tout le monde parce que quand vous verrez cette vidéo là, on sera en 2020. Donc bonne année à tous. On va commencer par les cadeaux que j'ai eu par mes copines. Alors je vais déjà vous montrer les petits bijoux que je porte. Donc je suis super contente. Donc j'ai eu ce petit bracelet là par une amie. Et celui-ci, donc en fait c'est 4, c'est un bracelet, mais en fait décliné en 4. Je sais pas si je vais réussir à bien le mettre parce que ça s'en mêle beaucoup. Mais enfin, il est vraiment trop trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'adore. Et celui-ci, c'est le bracelet donc de mon parrain. Donc ça sera pour après. Mais voilà à quoi ressemblent mes bracelets. Si vous voyez un cercle rond dans mes lunettes, c'est parce qu'en fait j'ai mis une lampe derrière. Et du coup, bah, vous voyez le reflet dans mes lunettes. C'est un peu embêtant de porter des lunettes, mais bon, je peux rien y faire. Ensuite, toujours de mes copines, j'ai eu cette petite huile-là. Donc c'est une huile de Nigel biologique. Elle se présente comme ceci. Et en fait, c'est pour l'acné, tout ce qui est les taches d'acné, le vieillissement à cause de l'acné. Bien sûr, il n'y a pas que le vieillissement à cause de ça, hein, mais ça permet principalement ceci. Donc voilà, je suis trop trop contente. Donc merci ma petite copine de me l'avoir offert. Ensuite, j'ai eu cette petite, comment on appelle ça? Pas box, mais... Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai eu cette petite boîte là par une autre de mes copines. Donc c'est Dr. Jart. À l'intérieur il y avait tout ça. Alors là il me reste quelques produits. J'ai fait le masque pour le visage. J'ai pas trop trop aimé. En fait ça m'a donné des boutons. J'aime bien la crème. Vous savez c'est la petite crème jaune. Je vais vous montrer, je l'ai. Faut que j'arrive à ouvrir. Donc, à l'intérieur, on a une crème qui est de l'écran de rétention d'eau. Donc, c'est celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a un sérum traitement hydratant. Pareil, celui-ci, je l'aime vraiment bien. Et enfin, on a une petite lotion tonique, toute petite comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais par rapport à ma main, elle est riquiqui. Donc, voilà ce qu'il y avait dedans. Et donc, le masque, comme je vous l'ai dit. Hop. Ensuite j'ai eu une bombe de bain Lush que j'ai déjà utilisée. Donc du coup je ne l'ai plus, mais ça sentait genre trop trop bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous essaierai de vous mettre une petite photo de celle que j'ai eue. Après on va passer donc du côté de la famille. Donc par mes parents, déjà on va commencer par mes parents. Par mes parents j'ai eu, ils m'ont payé une partie de ma voiture. Parce que si vous avez vu ma vidéo d'avant, j'ai dû avoir une nouvelle voiture. Donc ça a été mon cadeau de moi, de mes parents et de ma marraine. Par mon parrain, comme je vous ai dit, j'ai eu ce petit bracelet trop trop joli ici. Ensuite, de ma soeur, j'ai eu des collants Calzedonia. J'adore les collants Calzedonia, c'est ma passion. Donc j'ai eu celui-ci. En plus, on le voit bien à la caméra, il est trop trop beau. Donc j'ai eu celui-là. J'ai eu celui-ci. Pareil, j'aime trop, il est trop joli. Faut juste que j'arrive à vous le montrer. J'ai eu celui-là après. C'est pas les mêmes motifs. Mais enfin bon, bref. Il est trop beau. Je les aime trop. J'adore les collants. Après, de ma tante, j'ai eu mon parfum préféré. Donc c'est le Comme une évidence. L'eau de parfum de chez Yves Rocher. Enfin, c'est vraiment mon parfum favori. Faut que j'arrive à l'ouvrir pour vous le montrer. Il ressemble à ceci, vous voyez, c'est une petite bouteille, enfin elle est toute simple la bouteille et c'est vraiment mon parfum préféré. Ensuite j'ai aussi eu des chocolats par ma tante, j'ai eu des chocolats par les grands-parents de mon copain. Ensuite par la sœur de mon copain j'ai eu ces petits vernis, c'est un trio, bien sûr il ne veut pas venir. J'ai eu ce trio de vernis trop joli. Donc vous avez cette petite couleur un petit peu dorée. Vous avez un rouge et un argenté pailleté. Voilà. Franchement, je trouve ça trop kitsch. Je trouve ça trop mignon. Par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas marqué la marque d'où elle vient. Non, c'est pas marqué d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est adorable. J'aime beaucoup. Ensuite, par les parents de mon copain, j'ai eu ce sac là, je le trouve
Magnifique. J'en voulais tellement un, je savais pas du tout qu'ils allaient m'offrir ça. Enfin, quand j'ai ouvert, j'étais ravie. Il est trop trop beau. Donc c'est un sac à dos noir Guess, magnifique. Là, vous avez des petits détails. Ici, il y a marqué Guess. Là, vous pouvez donc vous l'ouvrez ici. Hop. Et ici, vous pouvez resserrer. Donc, il n'y a pas de fermeture. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est plus pratique. Et donc, voilà, ça fait un petit compartiment comme ça. Enfin, il est exactement comme je voulais. Donc, voilà comment il se présente. Enfin, je suis trop contente. Il est juste trop, trop beau. Maintenant, par mon chéri. Donc, je ne les ai pas là. Mais j'ai eu deux paires de chaussons. Une paire pour chez lui et une paire pour chez moi. Sauf que la paire pour chez lui donc est chez lui, mais la paire pour chez moi elle était trop petite donc on a dû la renvoyer. Donc je pourrais pas vous les présenter dans cette vidéo, mais j'ai eu des chaussons, je suis trop contente. J'essaierai de vous trouver une photo pareil pour vous la mettre juste ici pour que vous ayez un aperçu à quoi ils ressemblent, mais ils sont trop trop beaux. Bon, entre temps j'ai eu des nouveaux cadeaux donc je voulais vous les présenter. Faites pas attention à ma tête, il est très tard le soir. Et donc comme vous voyez, je suis en pyjama parce que j'ai cette petite combinaison, elle est trop mignonne. En fait, c'est un petit ours par un ami, mais je la trouve vraiment trop cute. Regardez, elle est vraiment adorable. Elle se présente comme ça. Je la trouve trop trop belle. Je suis trop contente. Et il me l'a pris en taille S. Ensuite, il m'a offert cette petite bague là. Pareil, elle est trop trop belle. J'ai eu aussi cette petite bague là. Donc dessus, c'est un sucre d'orge, je crois. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça veut pas focus, mais voilà. Ensuite, ils m'ont offert un petit pochon comme ceci, où dedans c'est trop cute. C'est en fait deux petits pendentifs. Alors, on a un petit pendentif en forme de lune. Faut que j'arrive à vous le montrer comme ceci. Il est trop trop beau. Et on a aussi un pendentif en forme de clé, comme ça, avec un petit cœur noir. Enfin bref, il est trop trop joli. Et pour finir, dans mes cadeaux de Noël, j'ai eu de l'argent. Voilà, donc je suis trop contente. Parce que vu que j'ai dû payer ma voiture, bah, ça va pouvoir remplir un petit peu mes comptes. Donc bah voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. C'est déjà vraiment bien et pas mal du tout. Je vous fais plein plein de gros bisous. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. Je serais ravie de le savoir. Et puis bah, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Plein de bisous. Bye!